Salut à tous, c'est Leloute et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est une vidéo sur les échanges réalisés sur le mois de décembre. Donc il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Donc je vous présente le premier. Alors la caméra, merci. Donc c'est un échange de tamponnage fait avec Juliette. Hop, alors. Donc nous avons, je vais essayer de vous centrer un petit peu tout ça. Un fond, alors je sais pas si c'est le tampon qui n'a pas trop fonctionné ou si c'est dans son état d'origine, enfin je sais pas comment dire, si c'est le tampon qui est comme ça ou si c'est le fait que ça ait bugué. Voilà, donc après il y a un très joli papillon. Si je vous le mets dans votre sens à vous, c'est encore mieux. J'ai eu également des petits cœurs, un autre papillon pareil, celui-ci n'a pas trop fonctionné. J'ai eu deux petites flèches trop mignonnes, enfin fleurs pardon, trop mignonnes pardon, deux autres petites fleurs, un petit papillon qui est juste trop chou, et j'en ai eu, alors je vais sortir celui-ci, j'en ai eu deux, donc un ici, en sachant que là il y a une horloge avec, et des horloges elle m'en a fait plusieurs, hop, voilà, donc ils ont plus ou moins bien fonctionné on va dire, hop, et la dernière. Voilà, donc 5 petites horloges, pardon. Le tampon, le gros tampon qui n'a pas trop fonctionné. Une flèche, deux cœurs, deux fleurs, deux papillons et deux papillons. Voilà, donc c'était un petit échange très sympathique. Les horloges sont plutôt jolies. Voilà, la flèche est trop belle. Et moi, en échange, je lui ai envoyé des... Comment ça s'appelle ? Des trucs sur les princesses Disney. Voilà. Le deuxième, je l'ai réalisé sur le groupe Facebook Enveloppe Flashée. Hop. Alors là, il y a plein de trucs trop jolis. Je vais tout renverser à côté. Alors, je ne me rappelle plus du prénom de la... Enfin, je me rappelle du prénom, mais je ne sais plus si son prénom c'est le même que son pseudo Facebook. Donc je ne vais pas le donner. Voilà, donc j'irai vérifier avant de donner son prénom alors qu'elle ne veut peut-être pas, voilà. Donc j'ai eu, à chaque fois il y a trois couleurs différentes, donc il y a toujours le orange, hop, j'ai des morceaux qui tombent de mon truc en face, le orange, le bleu, le jaune, et à chaque fois elle m'a mis, enfin si c'était possible, elle m'a mis les intérieurs qui vont avec. Hop, là vous y voyez pas, ici vous y voyez, c'est mieux. Donc après il y a eu un petit tag je t'aime, qui est trop joli. Alors je pense qu'à chaque fois je vais vous en montrer qu'une couleur, en sachant qu'il y a toujours les trois. Pour vous ce sera peut-être plus sympa, plus rapide surtout. Alors j'arrive ma petite boîte pour enlever à chaque fois. Donc enfin, je lui avais laissé libre choix au niveau des couleurs et elle m'a fait un petit assortiment vraiment très joli. Ces trois couleurs sont vraiment trop belles. Donc ensuite j'ai eu un petit love, une flèche en forme de cœur qui est super sympa. Alors après il y a eu un papa, un unique, un bonheur, alors le love je vous l'ai déjà montré, un souvenir, un spécial, hop, celui-là vous l'avez eu, un instant, alors là ils sont collés tous les deux, hop, voilà, j'ai encore eu une flèche, hop, si j'arrive à l'attraper. Comme ceci. Ah voilà les autres. Hop. Donc il y a le famille, le maman. Voilà, donc pour aller avec le papa, papa, maman, famille. Le précieux, je crois pas que je vous l'ai mis. Je vais le mettre là. Instant, vous l'avez eu. Hop. Le spécial, il y a aussi. Il y en a enfin, des écritures, elle m'en a fait vraiment des trop mignons. Enfin, vous voyez l'échantillon là, et à chaque fois j'ai les trois couleurs, donc du coup on est plusieurs. Voilà, donc ça c'était au niveau des petits mots. Je vais les enlever. Petits mots et les flèches, du coup je vous ai mis là. Hop. Donc on passe à la suite. Je vais essayer de le sortir. Alors, ce mot c'est sympa, mais c'est pas très pratique pour sortir une fois que je vous ai montré. Bon, merci,
je vais y arriver. Hop. Donc après, nous avons des feuilles. Alors il y a trois feuilles différentes, si je me souviens bien. Une, deux, et l'autre, elle est où? Elle est là. Une, deux, trois, voilà. Ensuite, nous avons un petit hibou trop mignon. Voilà. Donc ça, il n'y en a qu'un, par contre. Oui, c'est ça, il n'y en a qu'un. Mais il est trop, trop beau. Elle m'a mis un cadre, enfin, trois cadres, du coup, parce que celui-ci est en trois fois. Ah non, il y en a un autre, là, de petit hibou. Mais j'ai pas le bleu. Il doit être caché quelque part, en fait. Ah si, il est caché là. Hop. Comme vous voyez, les trois couleurs sont vraiment splendides. Hein. Donc les cadres, c'est bon. Et surtout, alors ce que moi, ce qui m'a fait craquer et la raison pour laquelle j'ai surtout fait l'échange avec elle, c'est ceci. Voilà. Ça, c'est juste magnifique. Et elle m'a mis l'intérieur aussi parce que l'intérieur est d'une seule pièce. Voilà. Mais ça, c'est aussi aux intérieurs. Mais ça, voilà, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait l'échange. Je veux ce dice. Voilà. Tout simplement, ça sera un de mes prochains investissements. Parce que franchement, les deux là, la chouette et le petit arrondi, c'est deux choses que je trouve vraiment hyper belles. Donc il me restera plus qu'à ranger tout ça dans ma petite boîte à dies, enfin à découpe. Donc ça, c'est ce qu'il y avait normalement dans l'échange. Donc avec les petits intérieurs qu'elle m'a mis ici, dans une petite pochette. Avec les cœurs qui vont je sais plus trop où, des lettres en E je pense, et des petites fleurs. Voilà, donc ça c'est ce qui allait avec tout ça. Et en plus de m'avoir envoyé cet échange juste sublime, hop, je voudrais récupérer le petit hibou, il y a eu des petits bonus à l'intérieur. Alors, donc dans ces petits bonus, elle m'a mis des fleurs. De trois couleurs différentes. Quatre même, je dirais. Toujours dans les mêmes tons, donc ça par contre c'est super sympa. Hop, voilà. Donc il y a deux grosses en deux coloris différents. Là vous voyez pas trop trop le foncé, je pense. Et si j'enlève ça, ce serait peut-être pas mieux. On va tester. Bof bof aussi. Hein. Faudrait un truc blanc. Est-ce que j'ai un truc blanc quelque part? Non mais j'ai du carton gris. Ouais, là vous y voyez, c'est cool. Donc, il y avait les deux grosses, deux petites comme ça, dans des couleurs assorties à chaque fois. Il y avait plein de petites comme ça. Hop. Elles sont trop belles ces fleurs. Une petite comme ceci. Voilà. Et, alors ça c'est pareil, c'est gavé beau. Ah mais celle-là vous la voyez pas du coup. On va faire l'inverse. Hop. Je vais la mettre sur la fleur, si j'arrive à récupérer deux dessous le carton. Voilà, donc celle-ci, je la trouve vraiment trop jolie. Voilà, donc ça va me faire, vous savez, des petites fleurs en mode pissenlit, là, ces trucs qu'on souffle. Là. Je crois que ça s'appelle des pissenlits, mais j'ai jamais trop... Je me rappelais pas du tout de ce... Non, voilà. voilà, donc merci beaucoup. Alors, j'allais dire son prénom, mais non, j'ai dit que je le disais pas. Donc merci beaucoup pour cet échange, parce que déjà, les petits plus sont juste sublimes. Et l'échange en lui-même est vraiment super beau. Enfin, vous voyez les couleurs. Non, vous voyez pas les couleurs, mais vous les avez vues tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, c'est vraiment super joli. En plus, l'arrivée, enfin, au niveau des... Tout était en pochette comme ça, avec des petits autocollants et tout. Franchement, on voit super soigné. Je regrette vraiment pas ce groupe Facebook d'échange. Voilà, donc encore une fois, je vous le conseille. Du coup, si jamais vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas, les deux administratrices sont très, très rapides au niveau des inscriptions. Une fois que vous serez inscrit, n'hésitez pas à commencer vos échanges. Enfin, beaucoup n'osent pas se lancer, moi la première j'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Mais en fait, tout le monde est très agréable, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes si on peut dire. Moi le seul truc que j'ai reçu, il y a un truc que j'ai reçu où c'était pas du tout soigné et les découpes sont arrivées, elles n'étaient pas découpées, enfin pas découpées, pas entièrement découpées, du coup pas utilisables, et c'est le seul problème que j'ai eu, et encore le problème est en train de se régler, donc voilà. Du coup n'hésitez vraiment pas, hein. Toutes les filles sont super sympas, etc. Mais je pense que je vous ferai une petite présentation un jour, hors quand, je sais pas, mais dans l'année 2017, sûrement.
Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez envie de faire des échanges, etc. etc. Et puis à la prochaine. Bye.